انا واقع عليها؟ والله ما يمكن استاذ يا ربي. Dimanche 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille Jana et 7 autres personnes ont perdu la vie dans un terrible accident d'hélicoptère. Un avion militaire américain s'est écrasé en Afghanistan ce lundi. L'appareil, un avion de soutien aux drones de reconnaissance, est tombé près de Ghazni, dans une zone sous contrôle des talibans. And it was burning quite significantly, so we lost nearly every major. Innocentes victimes, Élise, 5 ans, et Hugo, 7 ans, photographiés ici aux côtés de leur père, Jonathan Pomares, qui ne réside pas à Québec. Il s'est présenté ici chez nous avec la visible intention de faire le plus de victimes possible. I'm declaring a public health emergency of international concern. 累计死亡病例170例。报告确诊，31日，而新疆生产建设。累计报告产建设病床2020。确诊。Actuellement, il n'y a pas de circulation du virus. Tu sais, des gyms où il y a de la transmission, il n'y en a pas. Bonjour tout le monde. On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. On a maintenant 628 cas de personnes infectées. C'est une augmentation de 409. On a 45 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 21. On a 20 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. On met le Québec sur pause. Donc, ça veut dire que tous les Québécois qui ne sont pas dans les services essentiels, s'il vous plaît, vous restez à la maison. La pire chose qui pourrait arriver, là, c'est que le virus se propage dans des centres de personnes âgées. C'est d'abord se tenir, comme on le fait, à 2 mètres de distance des autres personnes en tout temps. Vous devez, de façon obligatoire, porter un masque. Il va même avoir des gens qui vont contrôler. Bonjour tout le monde. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. Morning everyone. Bonjour tout le monde. Le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. On va rapidement prendre des personnes, les contacts étroits, les mettre en isolation. Nous, on a eu 1741 nouveaux cas. On a eu hier une augmentation nette de 69
hospitalisations. On est rendu à 959 personnes. Dégrader le plastique. Gestes qui ont l'air de rien, de nos héros du quotidien.